Sélectionne le mode droitier, choisis le style de tête de ta guitare. La tête est à l'extrémité du manche et comporte... Bienvenue dans les balances. Ici, on va tester le volume de ta guitare, l'accordage et jouer quelques notes d'essai. Si ce n'est pas déjà fait, attache la sangle à la guitare et mets-la autour du cou. Tiens le médiator entre le pouce et l'index. Regarde la jauge de bruit à l'écran. Quand on te demandera de faire du bruit, gratte les cordes d'avant en arrière pour remplir la jauge. Quand on te demandera d'arrêter, place la main sur les cordes pour les assourdir. C'est bien. Maintenant, c'est à toi. Semble parfait. Bon, accordons ta guitare. Voici l'accordeur. L'objectif est que l'aiguille se place au centre de la jauge sur le nombre 0. Tu vois les clés métalliques à l'extrémité de la guitare? Tiens bien la guitare pour pouvoir jouer les cordes d'une main et tourner les clés de l'autre main. Commence par accorder la corde en rouge. C'est la plus grosse corde de ta guitare. Garde ton médiator près de la corde et gratte-la. Parfait. Maintenant, gratte la corde en jaune. C'est la deuxième plus grosse corde sur ta guitare. La corde en bleu. Joli. Gratte la corde en orange. La corde en vert. Incroyable! Gratte la corde en violet. Super! Maintenant, gratte une dernière fois chaque corde pour vérifier qu'elles sont toutes bien accordées. Si une corde sonne mal, réaccorde-la. Félicitations, ta guitare est maintenant accordée et tu es prêt à jouer. Regarde attentivement la portée qui défile en bas de l'écran. Pendant la chanson, les notes descendent de la portée et atterrissent sur les cordes de ta guitare. Ceci est une note. Joue les notes jaunes sur la corde en jaune. Idem pour les notes rouges, bleues, oranges, vertes et violettes. Ceci est une case. Appuie sur les cordes sur différentes cases pour obtenir des notes. Place ton index sur la deuxième case, sur la corde qui apparaît en jaune. Appuie sur la corde jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec la case. Tiens le médiator près de la corde jaune. Quand la note atterrit sur la corde, gratte-la avec ton médiator. N'oublie pas de continuer d'appuyer sur la corde et sur la bonne case, sur le manche de la guitare. Ok, c'est parti! Super! Ceci est une note à vide. Les notes à vide sont des lignes horizontales qui traversent toute la portée. Pour ces notes, n'appuie sur aucune case. Gratte simplement la bonne corde. Essaie maintenant.
Super, voici d'autres notes. Prends ton temps et joue-les toutes pour terminer un riff. De jouer ton premier riff. Tu peux maintenant commencer ton parcours pour devenir guitariste. Tu as gagné tes premiers points Rocksmith qui mesurent ton niveau à la guitare. Chaque fois que tu augmentes tes scores pendant les répétitions ou termines un concert, tu gagnes plus de points Rocksmith et améliores ton rang. Les points te permettent aussi de jouer dans de plus grandes salles, devant plus de public. Tu as déverrouillé une nouvelle scène. Il est temps de commencer à répéter pour ton premier concert. Choisis une option pour commencer. Avant de jouer, gratte toutes les cordes pour vérifier qu'elles sont accordées. Dans le jeu, l'accordeur s'activera automatiquement pour garder tes cordes parfaitement accordées.
Passer d'un repère de touche à l'autre s'appelle le déplacement. Avec un peu d'entraînement, tu pourras vite déplacer ta main vers le nouveau repère de touche pour jouer les notes suivantes. Pour en savoir plus sur les différents types de notes et de techniques dans l'interface, va dans la section « Techniques ». Choisis une option pour continuer. Rocksmith mémorise chaque chanson, chaque riff et note que tu joues, pour te présenter une liste personnalisée d'options et t'offrir une évolution optimale. C'est parti. Raté.
Les zones mises en évidence sur le manche, nommées repères de touche, peuvent te dire où placer tes doigts pour jouer les notes et anticiper le mouvement suivant. Passer d'un repère de touche à l'autre s'appelle le déplacement. Place un doigt sur chacune des quatre cases indiquées sur les repères de touche à l'écran. Lorsque le repère de touche arrive à l'écran, déplace tes doigts pour adopter la bonne position. Avec un peu d'entraînement, tu pourras vite déplacer ta main vers le nouveau repère de touche pour jouer les notes suivantes. Essaie de déplacer tes mains pour jouer les notes dans les repères de touche. Super! Tu peux maintenant participer au défi de technique complet.
Les notes tenues sont des notes que l'on tient pendant une durée spécifique. Plus tu grattes la corde fort avec ton médiator, plus la note tenue dure. Pour en savoir plus sur les différents types de notes et de techniques dans l'interface, va dans la section « Technique ».